Ce soir, nous allons parler d'économie. C'est ce que disait ma grand-mère lorsqu'elle achetait un peu moins cher quand elle faisait les courses au marché. Elle, en rentrant, elle disait « j'ai fait les économies ». Alors qu'elle avait dépensé, mais un peu moins. Et ce soir, on va parler de décroissance. Et est-ce que c'est une utopie ? Alors, pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Gilles Dufresneau, que certains ont déjà peut-être entendu. Il est intervenu il y a 2 ans. Il nous avait fait une très, très chouette conférence. Gilles Dufresneau est économiste. Il était pendant longtemps chercheur à Aix-Marseille Sciences Économiques. Et il est, depuis l'an dernier... Je suis toujours à Aix-Marseille Sciences Éco. Alors, toujours chercheur à l'AMS, Aix-Marseille Sciences Éco, et aussi enseignant à Sciences Po Aix. Et puis, il a été conseiller de l'organisation africaine, je ne sais plus, je ne connais plus le... Ah, mais bon, mais en fait, il fait plein de choses, il est très discret. Mais surtout, c'est quelqu'un qui... C'est un chercheur qui cherche et qui trouve, en tous les cas, qui sait, de manière la plus didactique, expliquer ce sur quoi il travaille, ce qui n'est pas toujours facile d'accès. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis Gilles, grand merci d'accepter de participer à notre programme. Merci beaucoup pour ces mots aimables. Donc bonsoir à tous. Vous m'entendez là, ça va? Bon, faut que je... Ça va? Bon, tu peux monter un tout petit peu, s'il te plaît? Bon, le temps qui monte. Voilà, donc je suis très heureux de... pour la deuxième fois de présenter quelque chose ici. Donc le thème, c'est un thème, je vais vous dire pourquoi il est apparu intéressant, sur la post-croissance. Et ce qui est important dans le titre, c'est « Est-elle une nouvelle utopie ?» Donc ce que je vais essayer de faire, c'est... surtout de ne pas prendre de position idéologique, parce que c'est un sujet qui est sensible, et souvent, quand on parle de la décroissance, de la post-croissance, etc., on entend beaucoup de positions idéologiques dans un sens ou dans un autre, et donc mon travail, si je peux dire, en tant que chercheur, c'est justement de m'éloigner de l'idéologie et d'essayer de regarder les faits, même quand ces faits ne me plaisent pas en tant que citoyen ou en tant qu'homme. Voilà, c'est ça mon job. Et donc, ce que je vais essayer, c'est de dire la même chose ici. Alors, juste pour expliquer un petit peu ce que, vous inquiétez pas, j'ai mes anti-sèches, hein, donc de temps en temps, je regarderai sur mes notes. Ce que je vais essayer, en fait, d'expliquer, de faire ici, c'est, bien sûr, la croissance, c'est quelque chose qui évoque l'économie, mais c'est très important, si on veut comprendre ce que c'est que la post-croissance, d'avoir une approche pluridisciplinaire. C'est d'abord des choix de société. Et donc, ce que je vais essayer de regarder, c'est comment est-ce qu'on peut regarder cette question de la post-croissance sous un angle, sur plusieurs angles, philosophiques, anthropologiques et surtout historiques, parce qu'on va voir que l'histoire vraiment explique beaucoup de choses. Alors, la post-croissance, qui est un gros mot, mais la post-croissance, c'est une idée qui est évoquée par plein de gens, par des politiciens, par des experts, par des citoyens, des hommes et des femmes, pour dire est-ce que nous pouvons envisager d'avoir une croissance économique qui soit différente de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance productiviste. On cherche à avoir une croissance, à produire toujours plus. Donc c'est ça que les gens ont dans l'idée de la post-croissance. Et ce qu'on entend parfois sur la décroissance, c'est une petite partie de la post-croissance. La post-croissance, c'est vraiment vaste. Donc, voilà ce que les gens ont derrière la tête. Et donc, il y a 2 motivations souvent qui poussent les personnes à s'interroger. La première motivation, évidemment, c'est est-ce qu'on peut trouver une alternative aussi à la croissance, comme je viens de le dire, telle qu'elle se produit aujourd'hui, ou ce qui nous intéresse, c'est de produire des richesses de manière... indéfini, cette idée que là, on peut produire de la croissance de manière sans limite grâce à la technologie. Il y a des personnes qui disent, attention, est-ce que vous êtes sûr de ça? Puis la deuxième raison, la deuxième motivation, elle est de nature anthropologique, on pourrait dire anthropocentrique, c'est-à-dire que
Les gens réfléchissent à l'idée que l'homme se pense, au sens de la pensée cartésienne, se pense supérieur à tous les autres êtres vivants, en incluant les animaux, la nature, etc., au motif qu'il serait doué de, qu'il serait doté de conscience, de raison, etc. La science est en train de faire des progrès considérables et on est en train de se rendre compte qu'un certain nombre d'animaux ont une conscience, les abeilles, et puis il y a des tas de recherches qui se font actuellement dessus. Donc, cette question de la post-croissance, elle rentre aussi, on va voir pourquoi, parce que c'était pour prospérer, on a dû prendre beaucoup sur la nature notamment, mais pas que, elle a aussi une dimension anthropologique. Donc, voilà, ça c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à cette question. Alors là, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que les idées qui sont développées, elles ne sont pas nouvelles. Elles puisent leur source dans des racines historiques qui sont très très lointaines. On va remonter jusqu'au 15e siècle et on va voir que les idées, elles durent en fait. Elles ne meurent pas avec les gens, elles traversent les générations. Et donc, la question qui nous intéresse, c'est pourquoi ça revient aujourd'hui? Pourquoi ces idées de post-croissance reviennent aujourd'hui? Alors, pour deux raisons, au moins. La première raison, c'est que ça coûte beaucoup. C'est-à-dire que les gens disent, bon, OK, on a un système de production capitaliste, etc., qui nous permet de créer de la valeur, etc. Mais les coûts sont devenus très importants. Il y a des coûts pour les hommes, il y a des coûts qui sont causés à l'environnement, et on pourrait dire, et alors on s'en fiche. Mais non, on ne s'en fiche pas parce que ces coûts sont tellement élevés que les services que nous rendent habituellement les autres êtres vivants mettent en péril notre vie. Donc je prends un exemple simple. Supposons qu'on réduise la diversité animale, c'est-à-dire que, il y a moins de diversité. Alors, une des conséquences possibles, il y en a plein d'autres, une des conséquences possibles, c'est que, par exemple, on l'a vu avec le Covid-19, on a moins d'espèces qui sont des réservoirs naturels pour les virus, par exemple. Et puis, donc, s'il y a moins d'espèces, bon, voilà, ça va chez les autres. On déforeste beaucoup, mais alors, comme on déforeste beaucoup, les forêts ne peuvent plus rendre le service qu'ils nous rendent habituellement, qui est d'absorber le CO2 que l'on produit. La vie était pensée comme ça, et c'est la même chose pour les océans, etc. Donc, la raison, c'est celle-là, c'est que les coûts de notre activité productive sont si élevés que les équilibres que nous avons avec les autres écosystèmes sont tels que, eh bien, il y a un certain nombre de services qui ne peuvent pas nous être rendus. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, sur laquelle je vais un petit peu insister, c'est on arrive à la fin d'un narratif. Nous avons tous collectivement, depuis le 15e siècle jusqu'à récemment, je l'ai expliqué, au milieu des années 90, nous avons tous construit un narratif. Alors, tous, ça veut dire, ce n'est pas quelques hommes, quelques femmes, quelque part, qui est de dire que le bien-être matériel, la croissance économique repose sur une mondialisation heureuse. C'est un narratif qu'on a construit, en fait, on y a cru. Le commerce est magnifique. Je parlerai de Kant, Montesquieu. C'est formidable parce que quand les hommes font du commerce, ils ne se battent pas. Ça amène une paix perpétuelle. Donc, nous avons vécu dans ce narratif-là. Ce narratif, il s'est très profondément ancré dans le milieu des années 90. Et nous nous rendons compte que le monde n'a jamais été aujourd'hui aussi incertain il n'a jamais été aussi incertain. Donc, voilà, c'est la fin d'un narratif. Il va falloir, je vais expliquer, en construire un autre. Alors, ce que je propose, donc cela, c'est un petit peu pour situer les choses. Je vous propose de procéder d'avoir une trame en trois temps. D'abord, pour rappeler un certain nombre de choses sur les mythes fondateurs des sociétés capitalistes. Et j'utilise ici le mot mythe dans un sens qui est complètement neutre, pas du tout négatif. Le mythe, c'est ce qui fonde une société. C'est un récit qu'on va construire qui va permettre à une société de s'identifier. Et ce que je vais rappeler, c'est que le capitalisme qui a donné naissance à la croissance productiviste, il s'appuie, comme c'est tout à fait normal, sur des mythes, sur des récits fondateurs. D'où est-ce qu'ils viennent? Donc, j'essaierai d'expliquer quels sont ces mythes fondateurs et d'où est-ce qu'ils viennent
C'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, dans un deuxième temps, je propose de regarder ce que c'est, quelles sont les caractéristiques de la croissance productiviste aujourd'hui, puisque c'est celle qu'on critique. Donc, qu'est-ce qui la caractérise et pourquoi est-ce qu'on la critique? Et ça va nous permettre ensuite, dans un troisième temps, d'entrer dans la post-croissance et de voir alors les alternatives qui sont proposées. Donc, on va comprendre ce qui se passe parce qu'on aura eu ce recul historique, donc on aura compris les fondements de ce qui se passe. Donc, voilà un petit peu ce que je vais proposer, la manière dont je vais proposer de procéder. Et je vais donc juste commencer par quelques repères historiques sur les mythes fondateurs, en essayant d'expliquer un certain nombre de choses. Alors, la première des choses, c'est que dans le titre, je parlais d'une utopie. Et il faut comprendre ce que c'est qu'une utopie. Alors, j'ai mis « Les utopies ont le pouvoir de changer le monde ». Oui, effectivement. Alors, moi, je vous recommande cet ouvrage, si vous avez l'occasion de lire « Histoire des utopies ». Oui, en fait, le monde ne peut pas changer, ne peut pas fonctionner sans utopie. Parce qu'une utopie, ce n'est pas simplement… Donc, l'idée d'une utopie, c'est un récit imaginaire que l'on va construire, mais que l'on va se faire, mais dans l'objectif de le rendre réel. Les Lumières, c'était une utopie au départ. Enfin, il y a plein d'utopies qui sont devenues des réalités, et c'est important. Donc, en règle générale, l'idée, c'est que pour qu'une utopie se forme, il faut d'abord que le monde dans lequel nous vivons soit très dérangeant pour l'esprit humain, insupportable. Alors, il peut y avoir des choses insupportables qui sont liées aux hommes, des guerres, des discriminations, des choses comme ça. Il peut aussi y avoir des choses insupportables qui ne sont pas liées à nous. Dans le domaine médical, une malformation congénitale, c'est vraiment insupportable. Pourquoi est-ce qu'un enfant naît sans bras, etc. Eh bien, si on n'a pas l'utopie de... Ben, on va inventer des choses, on va faire progresser la médecine pour corriger ça, etc. On ne changera jamais le monde. Donc, le point intéressant, c'est celui-ci. Ce que je vais expliquer, c'est que utopie, les mythes, etc., tout ceci est lié. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire comprendre maintenant. Alors, on va commencer par le premier mythe. Le premier mythe, c'est le suivant, c'est que le capitalisme, une des premières idées qui va fonder le capitalisme, elle naît en Amérique. Ce sont des Européens. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, ce que je vous ai mis comme figure, c'est un tableau de peinture de la Divine Comédie de Dante. Vous voyez que c'est un enfer épouvantable. Et c'est ce qui se passe. Il faut se ramener un petit peu en arrière. Au moment où vous avez les explorations maritimes du 15e et du 16e siècle, vous avez ces navigateurs espagnols, portugais qui partent explorer l'Amérique. Voilà comment la situation dans laquelle se trouve l'Europe est épouvantable. Il y a trois choses qui caractérisent l'Europe à l'époque. Minée par trois cycles qui reviennent régulièrement. Le cycle des guerres, les gens passent leur temps à se battre. Un cycle infernal où vous avez des périodes de famine qui succèdent à des périodes de bonne récolte, et ça depuis toujours. Et puis, le troisième cycle, c'est un cycle démographique qui est lié au fait que régulièrement, vous avez des maladies qui purgent les populations. On connaît tous l'histoire des pestes, etc. Voilà l'état de l'Europe. Et vous ajoutez au-dessus un continent qui est totalement corrompu, où la corruption est extrêmement développée. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes qui découvrent un nouveau continent, au départ, il n'y a que les explorateurs, mais ils vont être suivis ensuite par des militaires, des missionnaires, par les représentants des rois, par des bagnards, etc. Ils arrivent sur cette terre d'Amérique et pour eux, c'est la terre promise. Et leur idée, c'est sur cette terre d'Amérique de construire une nouvelle organisation sociale en étant débarrassés de tous les « vices » entre guillemets qu'ils observent en Europe. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va construire ? Donc, leur idée, c'est qu'il faut organiser, on est là, on arrive sur une terre qui est nouvelle, il faut réorganiser les sociétés,
On va le faire à partir de nouvelles valeurs. Ces valeurs, ce qu'elles doivent avoir comme objectif, c'est contribuer à l'émancipation humaine. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe en Europe à l'époque. Et donc, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'époque, il y a ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est ça doit reposer sur la richesse. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, voilà une terre nouvelle à exploiter, etc. Et puis, ce qui va être au centre, c'est la propriété privée. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est que l'idée de la propriété privée, elle naît à ce moment-là. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de l'organisation sociale, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez à l'époque deux utopies, parce qu'à l'époque, au début, ce sont deux utopies. Deux utopies qui se confrontent. La première, ça consiste à dire, bon, ben, en fin de compte, on va créer un système, on va pouvoir produire de la richesse, ça va s'appuyer sur la propriété privée, et nous considérons que nous, nouveaux arrivants en Amérique, nous avons le droit de nous approprier les hommes, donc les Indiens à l'époque, et les ressources naturelles. Donc, il y a cette première utopie-là qui est de dire, ben voilà, on a une nouvelle terre à déchiffrer et on peut utiliser toutes les ressources qu'on trouve. Et puis, vous avez face à ça une autre utopie, c'est-à-dire d'autres personnes qui disent, mais en fin de compte, pas du tout. Justement, l'Amérique, c'est une nouvelle terre promise. Il ne faut pas reproduire les vices qu'on observe en Europe. Et il y a un certain nombre de personnes qui observent comment fonctionnent les sociétés préhispaniques, les sociétés indiennes, etc. Et qui remarquent deux choses, qui remarquent premièrement que dans ces sociétés, il y a une certaine forme de sacralisation de la nature. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, on va cultiver cette nouvelle terre, etc., mais en essayant de faire comme eux, c'est-à-dire d'avoir un petit peu de sobriété. Donc, ils reprennent cette idée de sacralisation de la nature. Et puis, l'idée du bien commun, c'est-à-dire, leur idée, c'est de ne pas faire comme en Europe et de considérer que, en plus des intérêts individuels, les intérêts collectifs doivent primer. Donc on a cette grande bataille, les gens, parce qu'à l'époque, les gens retournent sur le continent américain parce qu'ils ramènent de l'or, etc. Et puis, il y a cette discussion qui se fait aussi avec les rois, les reines qui sont restés en Europe. Il y a une conférence célèbre, la conférence de Valladolid, où on discute de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et l'utopie qui va l'emporter, c'est la première. C'est, en fin de compte, la propriété privée, mais on a le droit d'exploiter comme on le souhaite tout ce qui nous tombe sous la main, les ressources, les hommes, etc. Donc ça, c'est le premier point important dont il faut se rappeler. Deuxième élément important, fondamental, donc ça, c'est le premier mythe. Le premier mythe, c'est la propriété privée. C'est comme ça que va naître le capitalisme, la propriété privée, et par le biais de l'exploitation de toutes les ressources qui permettent de produire des richesses. Deuxième mythe fondateur, le rôle crucial de la mondialisation. Le capitalisme ne peut pas se développer, je veux dire dans le sens inverse, pour que le capitalisme se développe, il doit s'étendre. Et il doit s'étendre territorialement. Donc ça, c'est le deuxième mythe important, hein, qui va conduire à voilà, associer les deux. D'accord? Alors, je vais passer sur ça, c'est-à-dire que ça va durer des siècles, c'est-à-dire voilà des utopies, une utopie qui va devenir réalité. Et qui va en fait caractériser tout le capitalisme tel qu'il va se développer pendant du 15e jusqu'au 19e siècle. D'accord? C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être. Alors bon, là, j'ai mis un certain nombre de choses sur des faits, l'importance de l'occupation des sols, des conquêtes, la théorie du libre-échange, etc. Bon, un certain nombre de choses qui ne nous intéressent pas, mais c'est juste pour vous montrer que. Ça a une influence et ça va culminer au 19e siècle, qui est vraiment l'âge d'or du libéralisme, entre guillemets, hein. Je vais expliquer pourquoi le libéralisme s'est développé. Et donc, s'incarne dans le capitalisme quelque chose que Marx dénoncera, mais sur un autre terrain,
c'est que son expansion repose sur des rapports de domination, point barre. Okay? Et qu'on va retrouver, donc les rapports de domination sont importants. Donc, premier élément. Donc, second mythe, c'est celui-ci, la mondialisation. Alors, tout ça, vous allez comprendre que c'est encore présent aujourd'hui. En tout cas, ça l'était jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Troisième mythe, alors celui-ci, il va fonder vraiment le capitalisme. C'est un paradoxe qui était. Donc, il y a cette personne-là, donc Bernard de Mandeville, qui était un médecin, un psychiatre, philosophe, etc., qui, en 1605, écrit une fable. Ça s'appelle la fable des abeilles. Et en l'occurrence, évidemment, c'est une fable. Ce qu'il dit, en fait, dans ce livre, c'est, voilà, tous les hommes sont mus par leur intérêt personnel. Chacun recherche son intérêt personnel. Alors, dans cette fable, il va même très loin parce qu'il imagine un monde où les hommes sont absolument affreux. Les hommes et les femmes. Tous les vices possibles de la terre, aucune moralité, etc. Le grand paradoxe, c'est que dans cette parabole, en dépit de tout ce que l'on observe, la société peut avoir atteint le bonheur. Ce qui est un paradoxe apparent, c'est-à-dire comment est-ce que dans une société où éthiquement les gens ont des comportements que l'on réprouve, comment est-ce qu'une société comme ça peut globalement aboutir au bonheur? Et les économistes, alors ça c'est très important parce que les gens ne le savent pas, les économistes vont s'appuyer, et la quasi-totalité d'entre eux, y compris Keynes, vont s'appuyer sur Bernard de Mandeville pour expliquer la chose suivante. Pour dire, ben, en fait, voilà ce qui se passe. C'est de dire qu'il faut distinguer deux choses. Oui, c'est vrai, éthiquement, moralement, les vices, la vertu, les gens égoïstes, etc., c'est pas une bonne chose. Mais ce qui se produit, c'est que c'est utile pour l'économie. Donc vous avez des économistes comme Adam Smith, Hayek, peut-être que les noms vous disent quelque chose, John Maynard Keynes, qui vont théoriser ça, conceptualiser ça. Alors je vais vous donner un exemple pour ne pas être technique, qui est l'exemple que donnait Keynes. Bon, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de Keynes ici. Bon. Pour nous, du 21e siècle, Keynes, c'est la théorie générale ou je sais pas quoi. En fait, quand vous lisez le livre de Keynes, alors lui, évidemment, il cite Bernard de Mandeville et il dit, en fait, c'est lui qui a créé la théorie générale avant moi. Et voilà l'exemple qu'il donne, le paradoxe de l'épargne. Voilà pourquoi l'épargne conduit à l'appauvrissement d'une société. Ça s'appelle le paradoxe de l'épargne. Parce que, en fait, quand vous posiez la question, vous preniez le 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, à un économiste solide en disant qu'est-ce qu'il faut pour développer une nation? Il faut de l'épargne. Parce qu'il faut mettre de l'argent de côté, il faut gérer l'économie comme un bon père de famille. Ce que Keynes va montrer, c'est la chose suivante, c'est de dire, bon, écoutez, ok, imaginons que dans un pays, tout le monde épargne. Imaginez ça. Eh bien, si tout le monde épargne, ce qui se fait, c'est que comme on épargne, on consomme moins. Comme on consomme moins, les entreprises produisent moins. Comme les entreprises produisent moins, elles licencient, ou en tout cas, elles n'embauchent pas. On a des revenus qui diminuent. Et on a comme ça un cercle vicieux où vous avez une économie qui finit par s'appauvrir. Donc, les bonnes idées au niveau individuel. Alors, Keynes y parle de l'épargne parce que dans la parabole de Bernard de Mandeville, l'épargne, c'est la frugalité, ça représente l'éthique, la moralité, etc. Et donc, ce qu'il dit, c'est que vous voyez, ce qui se fait, c'est que vous pouvez avoir des comportements qui, au niveau individuel, vous paraissent très bien et qui, collectivement, vont conduire à un désastre. Est-ce que Hayek, alors je prends un autre économiste dont on a peut-être entendu parler, en fait, ce sur quoi Hayek, lui, va fonder le libéralisme, c'est de dire, bah, écoutez, c'est très simple, en fait, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout, pourquoi? Parce que ce que nous dit Bernard de Mandeville, et qui compte pour l'économie, c'est que les gens sont égoïstes. Un boulanger fabrique son pain le matin, c'est pour le vendre. Que vous aimiez le pain ou pas, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il vende son pain. Et il va pouvoir le vendre parce qu'en face de lui, à 7h ou à 8h du matin, il y aura quelqu'un qui va se présenter, qui lui aussi est mu par son intérêt individuel. Il a faim,
et qui va lui acheter son pain. Et donc, ce que dit Hayek, c'est de dire que fondamentalement, l'économie, c'est quoi? C'est une société dans laquelle chacun est mu par son intérêt individuel, mais au niveau collectif, vous pouvez avoir des conséquences inintentionnelles, c'est-à-dire que des choses vont se produire que les gens individuellement n'ont pas produit et n'ont pas non plus souhaité. Voilà un des mythes fondateurs du capitalisme, parce que c'est ce qui va donner naissance à l'économie de marché. Et donc, tous ceux qui ont fait de l'économie, qui ont appris la loi de l'offre et de la demande, la main visite, se fondent dessus. D'accord? Donc, on est là dans... voilà, on voit bien comment est-ce que une utopie, un mythe, fonde, en fait, ou enracine le capitalisme dans sa naissance. Donc, on a ça. Donc, j'en suis au troisième mythe. Maintenant, je finis par le dernier, qui est très important, qui est le mythe de la, j'en ai un petit peu parlé, de la mondialisation, c'est de dire que la croissance productiviste, elle ne va trouver ses racines que dans une logique d'internationalisation du capital, premier élément. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut se rappeler depuis toujours, une des caractéristiques, j'ai parlé de l'Europe, c'est des guerres, des pays qui se font des guerres. On ne peut pas prospérer en se faisant des guerres. Et donc, il faut qu'on s'entende. Et ça donne en 1648 le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, c'est quoi? C'est des nations européennes qui se rassemblent et qui disent, mais écoutez, on ne va pas se faire la guerre, on va arrêter de se faire la guerre, en tout cas sur le continent européen. Et puis, on va essayer de faire en sorte de construire un système de relations internationales, et d'accord, pour définir des règles, etc. Et on va accompagner tout ceci par... ils reprennent Montesquieu, Kant, etc., le commerce pacificateur. Ça veut dire que pour que le capitalisme se développe, il faut plusieurs choses. Un, qu'on arrête de se faire la guerre, et donc on conclut ce traité entre nous. Deuxièmement, qu'on explore le monde. En fait, le monde ne se résume pas, l'Europe ne se résume pas au petit territoire géographique que l'on a, c'est le monde. Et donc, on arrête de se faire la guerre pour s'enrichir. Pour s'enrichir, il faut faire du commerce. Pour faire du commerce, il faut s'étendre au niveau international. Donc, voilà comment naît progressivement le mythe d'un capitalisme qui s'enracine dans la mondialisation. On voit que ça vient de très, très loin. D'accord ? Et ça ne vient pas simplement, parfois on entend dire ça des années, pas simplement des années 90. Et puis finalement, ce que je vais ajouter, c'est que plusieurs choses vont faire le reste. Tous les courants humanistes, les Lumières vont accompagner ça, vont accompagner l'utopie d'un monde, de la mondialisation, c'est-à-dire d'un monde ouvert, d'un monde fraternel, d'un monde qui doit partager les idées. Donc, tout ça s'entremêle et puis ça donne ce quatrième mythe. Alors, je vous ai mis ici, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est très, très bien expliqué par Pierre Dauques dans ces deux ouvrages-là sur le capitalisme et ses rites. Et donc, c'est très intéressant pour ceux qui sont intéressés d'aller regarder un petit peu ça. Alors, ce qui est fabuleux, pas en portant jugement de valeur, mais pour la personne qui fait de l'histoire, c'est de voir à quel point les idées peuvent durer. On est parti du 15e siècle et toutes ces utopies dont je vous parle, elles vont continuer, y compris au 20e siècle. Et même, en fait, aller s'enraciner dans des endroits où on ne s'y attendait pas du tout. Alors, je vais donner juste plusieurs exemples. Bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont contribuer à travers le rêve américain à diffuser en fait cette idée d'un capitalisme avec toutes les caractéristiques que je viens de dire. Et puis la Chine, 1978, grande surprise, la Chine qui a vécu la révolution culturelle, révolution du prolétariat à la chinoise. Bon, 1978, Deng Xiaoping dit « bon, maintenant c'est terminé ». Les Chinois veulent devenir riches comme les pays occidentaux. Et donc, il faut rentrer dans le système. Donc, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ça va prendre du temps.
La Chine ne va rentrer dans l'OMC qu'en 2001, mais ça commence en 1978. Ça commence avec cette idée que il est légitime de vouloir devenir riche et il est légitime de le faire en entrant dans le capitalisme. Les Chinois ne sont pas rentrés dans le capitalisme au moment où ils sont à l'OMC. Ils ont préparé, ça a été préparé très, très, très en amont. Donc ça, c'est cette chose-là. Et puis, le summum, ça a été la dislocation de l'URSS. On se rappelle tous qu'au moment où l'URSS éclate, vous avez un certain nombre d'Américains, Huntington, etc., qui disent, voilà, c'est la fin du monde. La fin du monde, ça veut dire le capitalisme a gagné. Voilà, nous avons la preuve sous les yeux qu'il n'y a qu'un seul système qui peut vaincre tous les autres. Alors, je pense qu'il avait tort, mais en tout cas, c'est ce qui était dit à l'époque. Il n'y a qu'un seul système qui peut vaincre tous les autres, qui est ce système-là. Okay. Donc, voilà, j'ai fini avec cette première partie. C'était juste pour comprendre que si on n'a pas cette dimension historique, alors on ne peut être que des observateurs et des techniciens de l'économie. Nous, on dit souvent en économie, il y a des techniciens et il y a les autres. Le technicien, c'est celui qui n'a pas, c'est tout le monde, mais c'est celui qui n'a pas cette épaisseur anthropologique, historique, pour aller comprendre d'où viennent ces idées. Parce que, alors, on peut comprendre ce qui se passe. Alors, ça m'amène maintenant à parler des piliers, donc, après ce petit éclairage, des piliers de la croissance productiviste, puisque c'est ça qu'on critique pour dire qu'on veut de la post-croissance. Alors, allons regarder sur quoi ça repose exactement. Alors, première chose absolument intéressante, c'est que, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que cette idée de la croissance productiviste, on peut produire sans limite grâce à la technologie, c'est une idée très, 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 très récente, à l'échelle évidemment historique des siècles, hein. Ça date du milieu des années 90. Donc, je vais vous dire ce qu'on pensait avant le milieu des années 1990. Tous les économistes du monde croyaient à ce qu'on appelle l'état stationnaire. Ça veut dire que quand on produit de la richesse, on utilise des ressources humaines, des équipements, des ressources naturelles, mais ça s'épuise. Les machines s'usent. Les hommes et les femmes vieillissent. Les ressources naturelles s'épuisent. Et donc, inévitablement, quand on regarde les choses globalement, tout le monde se disait, c'est pas possible qu'on ait une croissance sans limite. Il y arrivera un moment donné où les économies seront plus capables de. Il y aura un seuil, si vous voulez, à la croissance qu'on pourra avoir. Il y aura même un seuil au niveau du niveau de richesse qu'une économie peut produire. C'était ça notre grande idée. C'était ça, enfin notre grande idée. C'était principalement l'idée que nous avions. Alors, à partir du moment où vous avez, où c'est ça la vision, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à comment est-ce que l'on fait. Et donc, je vais vous donner juste trois exemples. C'est ce qui a caractérisé ce qu'on appelle les théories de la croissance économique. Il y a plusieurs choses qui étaient discutées. La première, c'est de dire, bon, puisque la croissance ne peut pas s'étendre à l'infini, il faut qu'on réfléchisse à combien est-ce qu'on doit consommer, combien est-ce qu'on doit épargner pour pouvoir réinvestir dans le futur, donc faire cet arbitrage, on va dire, consommation-épargne. Okay? Donc ça a donné ce qu'on appelle les théories de la croissance optimale, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu beaucoup de réflexions sur, alors attention, parce que si les ressources s'épuisent, il faut se rappeler ce que nous disait Malthus, il faut peut-être contrôler peut-être le cycle démographique, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une croissance déséquilibrée, une situation où les gens voudraient dépenser énormément, les entreprises investir, et puis le système productif ne pourrait pas suivre. Donc ça a été ce qu'on appelait les modèles de croissance équilibrée. Et puis voilà, donc c'est juste pour vous expliquer quelque chose, c'est que il y a des gens qui n'ont pas fait d'économie et qui vous disent souvent, oui, mais l'idée d'une croissance productiviste, ce sont les économistes qui le disent. Mais non, on n'a pas toujours raisonné comme ça. Parce que tant qu'on croit à l'état stationnaire, on est obligé de réfléchir à ça, à la croissance optimale, etc. De se dire, à quel moment est-ce que dans un pays, on doit faire des efforts, se priver, parce qu'on doit penser au futur, etc. Okay? Donc, c'est un petit peu comme ça. On a beaucoup réfléchi à ne pas trop gaspiller les ressources, etc. Et là, le changement,
il se produit au milieu des années 90 et je vais dire un certain nombre de choses sur ce qui se passe au milieu des années 90. Alors, il y a quelqu'un qui est décédé maintenant, il y a peu de temps, qui s'appelle Daniel Cohen, mais qui a très bien expliqué toutes ces choses-là. Vous avez sans doute entendu parler de lui. Qu'est-ce qui change au milieu des années 90? Petit 1, rappelons-nous la chose suivante, c'est qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, il y a ces 30 glorieuses fabuleuses pour les gens de l'époque. Elles sont fabuleuses pour les gens de l'époque parce que tout ce qui a été fait pendant la période des 30 glorieuses s'est appuyé sur les révolutions industrielles hein, qui avaient lieu, qui avaient commencé au début du XXe siècle, mais qui avaient simplement été interrompues par les deux guerres. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a bouleversé la vie des gens. Vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pendant très longtemps, la vie des gens, c'était ça. Ça veut dire que vous aviez des périodes de famine succédant à des périodes d'économie prospère, etc. Les Trente Glorieuses mettent fin à ça. Pour la première fois, on est capable, en Europe, en Amérique, en Australie, etc., au Canada, de soutenir des rythmes de croissance où la croissance ne fait plus comme ça, mais où elle progresse de cette façon-là. Donc, pour les gens, c'était très important. Pourquoi ça a été possible? Ça a été notamment possible de différentes manières, mais parce qu'on a encouragé, développé une société de consommation. OK? C'est une période où on a encouragé la standardisation des produits. Okay, donc, on produit en masse, etc. Et les gens étaient très contents. Au milieu des années 90, les gens n'ont plus envie simplement de consommer beaucoup. Ils ont envie de consommer différemment. Donc, dans les années 90, les gens sont très attentifs. Ah, j'avais des chaussures, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est les chaussures rouges, vertes, en cuir, pas en cuir, etc. Donc, c'est une période où naît ce qu'on appelle un système productif où les produits, les services, etc. sont différenciés par la gamme, différenciés aussi par les caractéristiques. On mange du beurre, mais il y a du beurre allégé, il y a du beurre ceci, il y a du beurre cela. Voilà, ça, c'est la première chose qui change et qui va conduire à une sophistication des processus productifs. Okay? Et parce qu'on découvre, si vous voulez, qu'on a une nouvelle façon de faire de la croissance. Faire de la croissance, ce n'est pas simplement produire plus, c'est aussi produire différemment. Première chose qui change. La deuxième chose qui change, évidemment, c'est l'écrasement des coûts. Il faut se rappeler que le capitalisme est formidable, entre guillemets, dans ses promesses. Parce que derrière, il y a une idée de démocratie. Ça veut dire que ce système, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le capitalisme ne peut fonctionner que s'il s'imbrique aux sociétés. Il faut que les sociétés l'acceptent. Bon. Si vous êtes dans un système où vous avez la possibilité d'avoir accès à ce que vous voulez, vous pouvez acheter tous les biens que vous voulez, ben c'est quelque chose que vous allez accepter. Et ça a été possible grâce à la mondialisation parce qu'au milieu des années 90, ce que l'on observe, c'est que vous avez une mondialisation qui explose et qui a comme conséquence d'écraser les coûts de production. Les entreprises changent leur façon de produire, on fait de l'offshoring, on fait de la sous-traitance, etc. Les coûts de production sont complètement écrasés et l'écrasement des coûts de production, ce que ça fait, c'est que ça fait baisser les prix et ça fait baisser les prix partout. Okay? Donc ça, c'est le deuxième élément qui change. Et le troisième élément, évidemment, va venir de la Chine qui va enfoncer en fait, le clou, parce que en fait, les Chinois, en intégrant l'OMC en 2001, vont contribuer plus que d'autres à accentuer encore plus la baisse des prix en se spécialisant, donc ça s'appelle le consensus de Washington 2, en se spécialisant dans la fabrication des produits à bas coût, en laissant aux Américains, aux Européens, etc., des produits un petit peu, au début, les produits haut de gamme, et en se spécialisant dans les produits à bas coût. Ce qui veut dire que l'Américain habitant dans l'Oregon, en Géorgie, etc., pouvait s'acheter des chemises bien moins chères, parce que ça venait de Chine, etc., que les prix auxquels il pouvait les acheter pendant la période des 30 Glorieuses. D'accord ? Alors, les Chinois, évidemment, qui ont une façon de réfléchir différente des Européens, ne vont pas s'arrêter là. Ils vont développer ce qu'on appelle une stratégie de croissance en vol d'oie sauvage, c'est qu'ils vont décider aussi
de faire la course aux innovations technologiques en suivant les Américains, etc. Donc, dans les années 90, voilà ce qui va changer et qui va introduire l'idée que, écoutez, c'est la récréation parce que on peut, il n'y a plus de limite à la croissance. C'est fini. Il n'y a plus de limite. On est capable d'innover. On pourra toujours différencier les produits, soit en jouant sur la gamme, soit en jouant sur les caractéristiques des produits. On oublie l'état stationnaire. Et pour ceux qui ont fait un peu d'économie, c'était une période où on a beaucoup parlé des économies d'échelle, des rendements croissants, etc. Voilà ce qui se passe au milieu des années 80. Donc, c'est assez, on va dire, immédiat. Et puis, l'autre nouveauté, qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la richesse? On se rappelle que 16e siècle, Jean Bodin, vous avez peut-être entendu parler de lui, quand on lui demandait c'est quoi la richesse, c'est les hommes. Il n'y a de richesse. Au milieu des années 90, on est très loin de ça. La richesse, c'est plusieurs choses. C'est ce qu'on produit. Et puis, il y a deux formes de richesse qui vont exploser. D'abord, la richesse financière, la liquidité. Le milieu des années 90, ça coïncide avec une période où on a libéralisé les marchés financiers, etc. La plupart des économies industrialisées sont caractérisées par une hypertrophie financière. C'est une période où vous avez des innovations financières considérables qui se développent. Et nous, en économie, on aime bien utiliser l'expression suivante, c'est que naît une nouvelle forme de richesse qui est de la richesse financière pure et qui consiste à faire de l'argent avec de l'argent. Premier élément. Deuxième élément, alors donc ça, c'est un petit peu plus récent pour nous, c'est faire de l'argent avec des données. Donc là, ça veut dire ça date des 10, 5 dernières années. C'est le fait qu'on a une nouvelle source de création de richesse qui est liée au développement considérable du numérique et aux stratégies qu'ont développées les géants du numérique. Okay? Parce que les géants du numérique ont un avantage, entre guillemets. Ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que le capitalisme, historiquement, le capitalisme, il ne peut pas prospérer s'il n'y a pas de rente. D'accord? Alors, les différents types de rente, la rente financière, etc. Et la rente aujourd'hui, c'est de la rente numérique. Pourquoi? Parce que la matière première, ce sont les données. Quand vous allez sur Internet, vous cherchez des choses, ben vous laissez des traces, on voit sur quel site vous êtes allé, etc., etc. Donc, ce sont des données, des métadonnées que des sociétés peuvent utiliser et puis le valoriser, etc. Donc, voilà ce qui change fondamentalement, c'est que on a de nouvelles sources de création de richesses qui apparaissent au milieu des années 90. Alors, voilà le décor, voilà ce que c'est que l'économie productive. J'ai été très vite, mais juste pour que vous ayez une petite idée. Donc, c'est ceux qui vont mettre en avant la post-croissance vont faire des reproches, en fait, à ce que je viens de présenter. Et donc, je veux dire juste quelques mots sur ce qu'on reproche au système de croissance actuel, en fait. Okay? C'est quoi le problème? Alors, plusieurs choses. Premier élément, c'est qu'on dit, OK, ce système productiviste, il est hyper efficace pour produire de la richesse. Super efficace pour générer de la rente. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte beaucoup trop cher pour les sociétés. Les coûts sont devenus trop importants. Alors, pourquoi les coûts sont-ils devenus trop importants? Premier élément, parce que c'est vrai que la richesse est très abondante, on a des mécanismes qui sont très efficaces, mais cette richesse, elle est très mal distribuée au sein de la société. Donc, vous avez un grand débat sur le fait que le capitalisme, pour prospérer, doit produire des rentes. Et parce qu'il produit des rentes, il contribue à une inégalité très forte dans la distribution des richesses. Alors là, j'ai pris un exemple qui est l'exemple de. Parce que j'ai parlé bon, bien sûr, de la rente financière, mais j'ai parlé des entreprises du numérique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que. Une grosse partie de la rente du système capitaliste aujourd'hui, elle est là. Elle est dans le secteur du numérique. Juste pour vous donner un chiffre, en 2023, si vous prenez ce qu'on appelait les GAFAM à l'époque, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, etc., vous prenez ces cinq sociétés-là, vous regardez en 2023 de combien a augmenté leur valorisation boursière, 3 900 milliards de dollars. Vous prenez les cinq sociétés en question,
Quelle est leur valorisation combinée aujourd'hui? 10 000 milliards de dollars. On pourrait dire, ben, tant mieux pour elles, elles font du business. Mais regardez le graphique qui est là, c'est ce qui est contesté. Donc ce que je vous ai mis ici, ce sont aussi, elles font partie des entreprises qui licencient le plus au monde aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Alors moi, je ne vois pas bien, mais on voit par exemple que depuis 2020, Alphabet a licencié, qui est la maison mère de Google, a licencié 12 000 personnes, etc., etc. Voilà ce que les gens critiquent, c'est de dire que voilà comment se fait la rente. Ce n'est pas qu'on licencie parce que les entreprises sont pauvres, pas du tout. Au contraire, elles ont des liquidités, mais elles licencient. Donc voilà la première critique. Deuxième critique qui est faite, c'est que, alors donc vous avez, c'est sûr, entendu parler de Thomas Piketty, de Stiglitz, etc. Jamais les inégalités de revenus dans le monde n'ont été aussi importantes. Au cœur des sociétés, dans les pays industrialisés et entre les continents également. Deuxième critique qui est faite. Donc, en fin de compte, le capitalisme, etc., n'a pas empêché les inégalités de prospérer. Bien sûr, des critiques qui portent sur les coûts environnementaux, dont on va reparler dans un instant, très important. Et puis des problèmes de santé publique dont on se fichait pas mal jusqu'à présent, mais quand même qui commencent à coûter beaucoup d'argent aux sociétés. Alors j'ai retrouvé dans Le Monde il y a quelques jours un chiffre très intéressant, il y a un rapport qui vient de sortir et qui concerne l'Europe. Par an en Europe, vous avez 2,7 millions de personnes qui meurent. Leur mort est liée à l'activité de quatre industries simplement. L'industrie du tabac, l'industrie de l'alcool, les industries agroalimentaires, parce qu'il y a des problèmes d'AVC, etc., d'aliments transformés, etc. Et puis, la dernière, ce sont des industries qui sont liées aux industries fossiles. Donc, si je conclue là-dessus, c'est que vous voyez que le premier type de reproche qui est fait, c'est que les coûts sont très élevés. Voilà pourquoi les gens commencent à se poser des questions, c'est que ces coûts sont, à leurs yeux en tout cas, très très élevés. Donc ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, qui est une raison qui porte sur des questionnements anthropologiques dont je parlais au début, c'est, en fin de compte, posons-nous la question de la relation de l'homme par rapport à son environnement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez plein de débats sur l'anthropocène. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur l'anthropocène parce que, contrairement à ce que l'on pense, il y a des débats assez violents entre les scientifiques sur l'anthropocène. Ça veut dire que moi, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais ceux qui sont convaincus des idées de l'anthropocène pensent que c'est eux qui ont raison. Au mois de mars, vous avez la société savante. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'anthropocène. En gros, l'idée, c'est que le système Terre subit, sur des échelles de temps qui sont très longues, des modifications. Vous avez des ères, des périodes de glaciation sur la Terre, vous avez des périodes où vous avez des lacs qui se forment, vous avez des périodes où la température des océans change, vous avez des périodes où vous avez une flore qui apparaît, qui disparaît, des choses comme ça. Okay? Bon, c'est le système. Vous avez dans l'atmosphère, vous avez des particules radioactives naturelles, etc. Bon, ça, c'est des choses, si vous voulez, à l'échelle géologique qui sont normales, mais qui sont dues à des phénomènes géophysique, géochimique, au fait que l'orbite de la Terre se modifie, etc. En général, ça prend des millions d'années. Et donc, ce qu'on observe, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est que depuis 1950, il semble y avoir une accélération d'un certain nombre de changements qui caractérisent le système Terre. Alors, je vous ai mis ici quelque chose dont on parle souvent, ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est que vous avez un certain nombre de choses qui concernent, donc, alors je me retourne parce que je ne vois pas le truc, l'acidification des océans, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, le changement d'usage des sols, un certain nombre d'entités dans la biosphère, etc. Il y a des changements très importants, c'est-à-dire que ça se modifie à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Alors, on parle d'anthropocène parce que les gens disent que vous voyez, ce qui est en train de se produire, c'est que depuis 1950, les activités humaines laissent une trace, laissent une empreinte sur le système Terre. Ce qui n'est pas normal. Ce qui est supposé se produire sur des millions d'années
au minimum des centaines de millions d'années, manifestement, ça se produit rapidement. Alors, c'est là une bisbille entre les scientifiques où les spécialistes de géophysique de l'atmosphère disent, ben non, en fait, on ne sait pas parce qu'il faut attendre au moins plusieurs milliers ou centaines de milliers d'années pour savoir vraiment s'il y a une modification. Et ceux qui disent non, principe de précaution pour la raison suivante, c'est que vous voyez tous ces indicateurs en changeant, on ne sait pas si il y a des seuils critiques au-delà duquel ces changements peuvent impliquer des bouleversements très importants pour la viabilité de la vie humaine. Donc ceux qui défendent l'Anthropocène défendent un principe de précaution. Ils prédisent pas la catastrophe, mais ils disent peut-être qu'on est en train d'avoir des seuils critiques. Donc ça, c'est ceux qui défendent l'Anthropocène s'appuient sur ça en disant ben, on va surveiller ces indicateurs pour regarder un petit peu à quelle vitesse ils évoluent. Et puis les économistes vont un petit peu plus loin. Donc là, je vous ai mis, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Aglietta, avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, qui étudie longuement ces questions-là. Les économistes vont un peu plus loin en expliquant que c'est pire. C'est que on peut associer les changements du système Terre à différents régimes du capitalisme. Et ces régimes du capitalisme, on va les caractériser par le type de ressources naturelles que nous avons utilisées depuis le 15e siècle pour avoir de la croissance. Ça s'appelle le capitalocène. Au lieu de l'anthropocène, on dit capitalocène, capital en référence au capitalisme. Alors, je vais juste en énoncer quelques-uns. Donc, tout ça, c'est assez daté. Enfin, daté au sens où c'est connu. Le premier capitalocène, en fait, peu de gens savent ça. C'est en gros entre le 16e siècle et fin du 18e siècle. C'était une période où, en Europe, on a massivement déforesté. Il y a une déforestation considérable liée à la révolution agricole en Italie, aux Pays-Bas, ensuite au Royaume-Uni, et ensuite ça s'est étendu au reste de l'Europe. Donc vous voyez que, et ça laisse des traces, hein, parce qu'on a des indicateurs dessus. Bon, après, vous avez d'autres capitalocènes. Vous avez le capitalocène 2 du 19e siècle au début du 20e siècle, qui correspond à l'ère du charbon, au moment où l'Angleterre, qui est cette grande puissance, bascule de l'hydraulique et passe au charbon. Ça, évidemment, ça laisse des traces en matière de pollution, etc. Bon, vous avez d'autres capitalocènes. Bon, là, je vais un petit peu vite. Ensuite, un capitalocène qui est lié à l'exploitation des ressources comme le gaz, le pétrole, etc. Et puis aujourd'hui, on entre sans aucun doute dans un autre capitalocène qui caractérise l'exploitation des métaux critiques. Évidemment, puisque c'est quelque chose de très important. Donc voilà ce qu'on reproche au système actuel, c'est ça, c'est que c'est tout ce que j'ai dit, et le fait que dans son interaction avec la Terre, l'environnement, etc., l'homme est en train de laisser des empreintes qui possiblement peuvent avoir des effets critiques. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, on peut expliquer et parler de la post-croissance. Et voir est-ce que c'est vraiment une utopie. Alors, pour parler de la post-croissance, c'est là où je ne vais pas faire d'idéologie. Il m'a fallu prendre beaucoup de distance. Parce qu'il y a en économie deux lois. Alors, il y a une loi qui s'applique, qui est la même qu'en chimie. En économie, on ne peut jamais avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Quoi que vous fassiez, il y a un bénéfice, il y a un coût, quoi que vous fassiez. Deux lois importantes. La première loi est la suivante. C'est que si vous êtes un pays pauvre et que vous voulez augmenter le niveau de vie de votre population, vous devez avoir une croissance économique forte et beaucoup plus forte que les autres. C'est comme une course. Si vous êtes loin, vous devez courir vite pour rejoindre les autres. Si vous êtes une économie riche, vous avez un certain niveau de vie. Vous pouvez avoir des taux de croissance un peu plus faibles que les autres. Ce qui veut dire, le corollaire de ça, c'est que si vous choisissez de réduire votre taux de croissance de façon mathématique,
ça veut dire qu'à moyen terme, vous appauvrissez de façon mathématique. On va voir que pour nous, c'est très important quand on doit se poser des questions sur la décroissance. Alors, on peut dire que c'est bien parce qu'on va le choisir, mais c'est une loi. Ça veut dire que si on décide d'avoir des taux de croissance moins importants, c'est mathématique. On a un niveau de vie qui baisse, qui va nécessairement baisser. Alors, on est face à un dilemme. On est face à un dilemme parce que on a des enfants qui vont naître. Il faut les nourrir. Il faut les soigner. Il faut les éduquer, etc. Donc, pour maintenir un certain niveau de vie minimum, on doit faire de la croissance. Mais nous sommes face à un dilemme parce que plus nous allons faire de la croissance dans le cadre que j'ai décrit précédemment, plus les coûts seront élevés. C'est ça notre dilemme. Donc, l'idée, c'est là. Finalement, il y a un paradoxe, c'est que sans doute, si on veut tenir compte des limites planétaires de tout ce que j'ai montré, améliorer la qualité de la vie, qu'il y ait moins de gens qui meurent, etc., sans doute qu'il va falloir que nous soyons plus sobres, peut-être. Mais la sobriété a un coût. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous présenter les trois positions, les trois paradigmes aujourd'hui, ce que les gens disent, ce qui propose de dépasser le système de croissance actuel, la post-croissance. Vous avez trois idées importantes et c'est autour de ça que les débats. Alors, vous connaissez Pierre Rabhi, sans doute. Il fait partie de ceux qui disent, en fait, on n'a pas le choix. Pour quitter ce système qui est très coûteux, qui engendre de la pollution, etc., on n'a pas le choix, il faut être sobre. Nous devons, c'est pour ça que j'ai mis le petit graphique au-dessus, nous devons ralentir. On a un avion qui va beaucoup trop vite, nous devons ralentir. Bon, lui, il appelle ça la sobriété heureuse. Je vais être beaucoup plus neutre et appeler ça la décroissance. Donc, la décroissance, c'est pas. Il faut bien comprendre, la décroissance, c'est ralentir les rythmes de croissance. Accepter que, non, écoutez, on va pas. Le but, c'est pas de chercher à avoir une croissance plus rapide que ça. Il faut ralentir. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Il suffit d'éteindre certains moteurs qui génèrent la croissance productiviste. Premièrement, on pourrait imaginer qu'on mette moins de liquidités dans l'économie. Ça ralentirait. On pourrait imaginer des systèmes d'inversion technologique. On n'est peut-être pas obligé d'innover, en tout cas du point de vue de ceux qui sont partis en théorie de la décroissance, on n'est peut-être pas obligé d'innover en permanence pour avoir des gains de productivité très élevés et puis maintenir la croissance à un niveau élevé. Bon, il y a des choses qu'on appelle les innovations frugales. J'en ai un petit peu parlé ici l'année dernière. On pourrait développer un système d'innovation frugale. On pourrait raccourcir les chaînes de valeur. Après tout, pour produire des chaussettes ou je ne sais pas, on n'est pas obligé de délocaliser, d'aller, si on est en France, en Thaïlande, tout ça pour comprimer les coûts, etc. Bon, on pourrait donc raccourcir les chaînes de valeur, etc., etc. Donc, premier élément, il y a des gens qui disent il faut faire ça. Et quand on leur demande pourquoi, leur argument, c'est on ne peut pas découpler la croissance des externalités négatives. Ça veut dire que concrètement, ça veut dire la chose suivante. Si vous voulez réduire les dégâts qui sont causés à l'environnement, par exemple, nous n'avons pas d'autre choix que de ralentir la croissance parce que c'est la croissance qui les provoque. Les deux ne peuvent pas être séparés. Voilà l'argument qu'il donne. Deuxième argument qui est donné, qui est de dire, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pas du tout. On se rappelle, il y a une loi en économie. Si vous faites de la décroissance, il va falloir expliquer à la deuxième ou la troisième génération qui arrive pourquoi est-ce qu'ils sont plus pauvres que vous. Hein? On se rappelle que nous, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en sortant de ceux qui ont vécu dans les années 60-70, ont été beaucoup plus riches que leurs parents et encore plus riches que leurs grands-parents. Il faudra expliquer, si vous faites de la sobriété heureuse, dans 50 ans ou dans 25 ans, à ceux qui vont arriver, que ben voilà, vous avez fait la sobriété, désolé, vous êtes plus pauvres. Alors, ceux qui donnent ce point de vue-là disent que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire de la croissance productiviste, mais en essayant de contrôler les effets nuisibles, les nuisances qui sont causées.
OK, on produit, il y a des usines, etc. OK, on rejette du CO2. Bon, la nature est bien faite parce que normalement, c'est les forêts qui prennent ça et qui nous rendent de l'oxygène. Oui, mais on en a tellement, le stock est tellement important qu'elles ne peuvent plus l'absorber. D'accord. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle les innovations technologiques. Essayons d'innover pour capter le CO2 avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. Donc, voilà, il y a ce point de vue qui est développé. Des personnes qui disent, eh bien, écoutez, on peut donc trouver des sources d'énergie moins polluantes. On peut essayer de recycler pour éviter le gaspillage, etc. Donc, ça, c'est, voilà, des solutions qui sont proposées. Je vous ai expliqué que cette croissance productiviste, elle avait des conséquences importantes en matière d'inégalité, par exemple. Elle causait des problèmes de santé publique. Alors, ceux qui défendent ce deuxième point de vue-là disent, ben, écoutez, on a des choses qui s'appellent des normes, on a des choses qui s'appellent des lois. Si les industries agroalimentaires sont responsables de millions de morts, eh bien, vous mettez en place des lois en imposant aux entreprises de réduire la teneur en graisse, en sucre, en je ne sais pas quoi dans les aliments. Vous mettez des contraintes fortes sur l'environnement, etc., etc. Et puis, l'argument qui tue, entre guillemets, pour dire qu'ils ont raison, c'est qu'ils disent, bon, écoutez, en réalité, qu'est-ce qu'on veut? On veut changer de système productif. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est le fait qu'on ait utilisé tellement d'énergie fossile, c'est ça le problème, que ça engendre du dérèglement climatique, etc. Donc, on fait de la transition. Ça s'appelle de la transition écologique. Et donc, le problème de la transition écologique, ce n'est pas seulement politique, c'est un problème d'argent. Pour changer toutes les manières de consommer, toutes les manières de produire, etc., il faut de la liquidité, il faut de l'argent. Donc ceux qui défendent ce deuxième point de vue disent, on fait aujourd'hui ce que Roosevelt a fait aux États-Unis quand il y avait la crise des années 30, on fait un Green New Deal. On fait un New Deal, c'est-à-dire qu'on oriente un grand nombre de liquidités, de ressources financières qui existent aujourd'hui, on les oriente vers le secteur des énergies renouvelables, par exemple. Donc voilà, deuxième approche de la post-croissance, c'est différent de la première, on ne fait pas de la décroissance, mais on fait une croissance dont on essaie de réduire les effets négatifs. J'ai presque fini. Alors voilà, la troisième approche, c'est on change, c'est pas bien. On change de perspective. Ce qu'on doit changer, la première des choses, c'est que, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche le bien-être social. Et le bien-être social, ça ne peut pas être que le PIB. Ça ne peut pas être que de la croissance. Il faut avoir des critères qui soient multidimensionnels. Donc c'est ça qu'il faut changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, il faut une croissance qui soit plus inclusive. C'est ça le problème. Donc, l'idée, c'est d'avoir une croissance, pardon, soutenable. Et la soutenabilité de la croissance, c'est-à-dire une croissance qui soit viable, elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension de justice sociale. Et par exemple, ceux qui défendent ce point de vue disent, bah, écoutez, c'est le narratif que nous avons construit, selon lequel il faut séparer l'économie normative, qui prend en compte les questions d'éthique, de morale, et puis l'économie positive qui s'intéresse à la construction de la richesse. Ça, il faut finir avec ce narratif. Les deux, il faut remettre les deux ensemble. Et par exemple, une manière de faire de la croissance inclusive, c'est de réintroduire une idée qui vient de Rawls, de la justice sociale de Rawls, réintroduire par exemple l'idée des biens premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un bien premier dans une société? C'est un bien dont personne, dont aucun individu pour vivre dignement ne doit être privé. Se nourrir, avoir une éducation de base, avoir un emploi décent, des salaires décents, etc., etc. Donc ça, première idée qui est défendue sur la croissance inclusive. Deuxième idée, c'est ce qu'on appelle l'équité redistributive. Parce que ceux qui défendent le capitalisme productiviste disent que la croissance, avoir de la croissance et avoir une égalité, une justice sociale, c'est pas compatible. Ceux qui défendent ce point de vue disent, si, les inégalités sociales sont acceptables, mais à une seule condition, c'est qu'elles bénéficient à ceux qui parmi nous sont les plus vulnérables. Donc, je donne un exemple que tout le monde connaît, la discrimination positive. D'accord?
Donc, la discrimination positive, ça va consister par exemple à dire, bon, je ne sais pas, je vais donner un exemple qui ne choque pas, mais voilà, vous êtes aux États-Unis, on se rend compte que voilà, les populations latino ou descendantes, afro-descendantes n'ont pas accès aux études supérieures parce que ça coûte cher, etc. Bon, ben on va faire de la discrimination positive en leur allouant des bourses, en mettant des quotas, etc. Ce n'est pas juste éthiquement, ce n'est pas juste parce qu'il y a une discrimination par rapport aux autres. Mais ce n'est pas grave parce que ça bénéficie aux populations les plus vulnérables. Donc, ça, c'est un exemple de croissance inclusive. Et puis, ce que disent en fait les gens qui défendent ce point de vue-là, c'est que finalement, on inverse la logique de la philosophie libérale, c'est-à-dire qu'on inverse l'idée que seul ne devrait compter que les droits de propriété pour stimuler le capitalisme. Enfin, dernier élément là-dessus, c'est. C'est quoi la richesse? Vous allez vous rappeler, on s'est posé la question aujourd'hui. Et de plus en plus de personnes disent, en tout cas pour ceux qui défendent ce troisième point de vue, que, en fait, pour le capitalisme normal, la richesse, c'est du capital, des ressources, des choses comme ça. Bon. Ceux qui défendent ce point de vue disent, mais non, la richesse, c'est plein de choses, hein, c'est tout notre capital naturel. Les ressources en eau, dans les nappes phréatiques, c'est aussi ce qu'on a dans la biosphère, c'est les forêts, etc. Il faut tenir compte de tout ça. Et donc, on peut construire, donc l'ONU notamment s'est saisie de cette question, on peut essayer de construire un indicateur de la richesse qui tienne compte de la croissance, du stock, de toutes les formes de richesse que l'on a, y compris du capital humain. Alors, je vais vous montrer ce graphique que j'aime beaucoup, qui est assez intéressant et qui dit la chose suivante. Si on change de métrique, ça veut dire que si on considère que quand on parle de croissance, ne compte pas seulement la croissance du PIB, alors on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, les courbes qui sont vous voyez, en orange, c'est le PIB, la croissance quand on la mesure avec ce qu'on a aujourd'hui, la croissance du PIB par tête. La courbe qui est ce qui est en bleu, ça mesure. La croissance, ça s'appelle IWI, mais peu importe, ça mesure la croissance quand on prend en compte tout le capital que l'on a, y compris le capital que l'on détruit. Parce que pour produire une chemise, on va aller cultiver du coton, je ne sais pas, ou pour produire un ordinateur, bon voilà, il y a la création de valeur de l'ordinateur, mais il y a aussi toutes les ressources qui sont à l'intérieur qu'on a dû aller prendre dans les ressources du sous-sol, et il faut en tenir compte. Alors, on voit en fait ce qui est assez intéressant, c'est que. Je vais commencer par. Si vous prenez la France ou l'Allemagne, bon, globalement, quel que soit l'indicateur que l'on prend, il n'y aurait pas de grande différence finalement entre la croissance mesurée par le PIB et la croissance mesurée en prenant en compte toutes ces dimensions. Par contre, regardez la Chine. En fait, ça nous dit quelque chose. La Chine, en fait, fait partie des pays au monde qui ont les taux de croissance du PIB le plus important. Et la Chine est obligée d'avoir un taux de croissance du PIB très important parce que, compte tenu de la taille de sa population, elle est obligée de courir vite pour réduire le nombre de pauvres, courir beaucoup plus vite que les autres. D'accord? Mais la Chine a détruit énormément de ressources de son sous-sol. Il y a des problèmes de santé publique, il y a des problèmes de réchauffement climatique, etc. Et regardez la barre qui est en bleu. Ça veut dire que si je prends en compte les coûts et les bénéfices, ça vous donne un taux de croissance qui est beaucoup plus faible que ce qui est décrit simplement par le PIB. Puis vous avez la même chose pour l'Inde. Pour l'Inde, la différence est encore plus flagrante. Et puis on pourrait continuer comme ça, la Thaïlande. Vous voyez, donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que les pays émergents et les pays en développement, leur modèle, ce sont les pays industrialisés européens, l'Amérique, etc. Hein, c'est-à-dire que ce sont des pays qui, vous prenez la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays dont la croissance, qui est un gros exportateur d'huile de palme et qui accepte sans aucun problème de faire de la déforestation à très très grande échelle pour pouvoir planter des palmiers, etc. Okay? Parce qu'il faut avoir augmenté la croissance du PIB, etc. Donc beaucoup de pays émergents, beaucoup de pays en développement, leur modèle, c'est le modèle de la croissance productiviste. Et ce que nous dit ce graphique, c'est de dire, regardez ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes en train en même temps de détruire des ressources, etc., etc.
Alors, dernier slide pour introduire la discussion. Est-ce que tout ceci est une utopie? Donc, je reviens à ma question de départ. Est-ce que tout ça, la post-croissance, est une utopie? On ne va pas prendre de position idéologique, on va regarder les faits en tant qu'historien ou en tant qu'économiste. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour qu'une utopie devienne une réalité? Trois choses. Première chose, qu'on appelle des communautés épistémiques. Et tout le capitalisme. Donc, des communautés épistémiques, c'est très simple, c'est un regroupement de personnes, des groupes qui développent un certain nombre d'idées, qui conceptualisent, et dont le travail, c'est de faire en sorte que ces idées se diffusent dans la société et auprès des décideurs. Tout le monde se rappelle de Reagan, Thatcher en Angleterre, on se rappelle de ça, qui ont été influencés par, alors aujourd'hui on dirait des think tanks, des think tanks. Les think tanks, c'est ça, ce sont des laboratoires de production d'idées. Donc, il faut ça, ce qu'on appelle des communautés épistémiques. Donc, on se rend compte que effectivement aujourd'hui, sur la question de la post-croissance, on a des sociétés savantes, des think tanks, etc., qui réfléchissent à ça. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont tellement complexes que les hommes politiques et les sociétés sont en demande de science. Ça veut dire que, voyez l'importance qu'a acquis le GIEC, par exemple. Le GIEC est un exemple de communauté épistémique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on raconte sur le climat, etc., on s'appuie sur ce que produit le GIEC, parce qu'on lui fait confiance. Okay? Donc, il faut des sociétés, des groupements épistémiques. Deuxième élément, il faut des relais dans les opinions publiques. Alors aujourd'hui, on a les réseaux, mais le réseau, ce qui est important, c'est qu'il faut que les communautés épistémiques, ce qu'elles font, utilisent les réseaux pour diffuser les idées. Et puis troisièmement, il faut une décision des politiques. Et là, ça nous renvoie à une question politique. C'est de dire la chose suivante. Bon, je pense qu'il y a eu un rapport récemment. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui militent. Alors là, je prends les citoyens qui sont sympathiques à l'idée de faire qui est du transition écologique. Et nous remarquons aussi dans le même temps que malheureusement, et ça c'est le GIEC qui le dit, les choses progressent très lentement. Et donc il y a une question de choix politique, c'est-à-dire que c'est la question à laquelle nous sommes confrontés, ce sera le mot de la fin, c'est comment construire des systèmes politiques qui prennent en compte le choix collectif? Alors il y a deux modèles. Il y a le modèle que nous avions jusqu'ici, qui est un modèle de démocratie représentative. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui élisent les parlementaires ou qui veulent, et puis des décisions qui sont prises. Ces instances, au niveau international, on a des organisations internationales qui nomment des experts, etc. Et les décisions sont prises comme ceci. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est que de la part des démocrates, dans un certain nombre de pays, il y a une demande de ce qu'on appelle des démocraties participatives, c'est-à-dire que les gens demandent qui est que la démocratie s'organise de telle manière qu'il y ait des lieux de débat public où on puisse échanger des idées, etc. Donc voilà, ce sera le mot de la fin pour expliquer comment se pose cette question de, ben voilà, est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'elle va prendre racine ou pas? Est-ce que quel que soit le paradigme qui est retenu, est-ce que ça va, qui sont pour l'instant des utopies, c'est-à-dire c'est un monde meilleur qu'on imagine, qui se réalisera peut-être? Voilà, c'est. Il y a des questions politiques qui sont liées à ça. Voilà, Merci. merci pour votre attention. Vous avez tout compris? Vous voulez intervenir? Oui. Merci, je vous avais prévenu. Attends, ne fais pas. Oui, bonsoir. Concernant la post-croissance, quel est le pays où est-ce qu'il y a des démarrages d'utilisation
de cette utopie? Alors, deux types de pays, et c'est assez paradoxal, si je prends l'Europe, on a tous les pays, pas tous, un grand nombre de pays d'Europe du Nord, la Suède, la Finlande, Danemark, l'Autriche un petit peu, parce que c'est un petit peu une tradition, entre guillemets, une tradition, ce sont des pays pour lesquels l'environnement est extrêmement important. Ce sont des pays dans lesquels, quand vous regardez les pratiques démocratiques, les pratiques, oui, les institutions fonctionnent de manière très différente de ce qui se passe en France ou en Italie ou je ne sais pas, ou en Angleterre. Ou par exemple, je prends un exemple parce que tout le monde comprend ça. Hein, si vous êtes ministre, ben, comment est-ce que je lutte concrètement contre le réchauffement climatique quand je suis un gouvernement? Eh bien, je dis à un ministre, une voiture pour quatre. Vous démerdez, vous vous débrouillez, pardon. Chacun n'a pas son chauffeur. Vous faites des rotations, etc. Donc, il y a des pays où il y a des choses concrètes comme ça qui se mettent en place. On préfère le vélo, les Pays-Bas, etc. Et puis, il y a un pays qui est en train de le préparer, mais pour des raisons stratégiques, qui est la Chine. Ça, c'est le gros paradoxe, c'est que les dégâts environnementaux en Chine sont si considérables. Il y a des nappes phréatiques qui sont polluées pour de très nombreuses années. Il y a de graves problèmes de santé publique, etc., que les Chinois sont en train d'avancer à pas de géant sur la transition écologique, avec quand même une idée stratégique en tête, c'est de développer des normes pour les imposer, enfin, pour les imposer, voilà, au reste du monde. Donc, tout ce qui concerne l'énergie solaire, le rechargement des véhicules, etc., ils ont même décidé aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait déjà un moment, vous savez, les Chinois, ce qu'ils font, c'est qu'assez régulièrement, dans les entreprises qui produisent, ils mettent, parce que c'est un système qui est autoritaire, ils mettent à l'arrêt des industries qui fonctionnent au charbon, pendant quelques heures, ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu paradoxal hein, dans les pays. Il y a la Chine et puis... Ailleurs, c'est compliqué, notamment pour les... Je vais presque dire que le débat que nous avons est un débat de riches. Un pays, je vais vous dire quelque chose, un pays, on parle de laisser tomber les hydrocarbures. La nature est vraiment bizarre parce que jamais les découvertes d'hydrocarbures, de nappes, de gaz et de pétrole n'ont été aussi importantes dans le monde, petit 1. Petit 2, jamais la qualité du pétrole et du gaz que l'on découvre n'a été aussi bonne. Et petit 3, ces découvertes sont faites dans des pays qui sont aujourd'hui des pays pauvres et en développement et qui ont besoin de croissance. Alors ne leur parlez pas de transition écologique. Voilà la difficulté. Qui d'autre? J'entendais qu'en 2018, un salarié travaillait 4 jours pour payer les actionnaires et qu'en 2023, le même salarié travaillait 40 jours. Toujours pour payer les actionnaires. Donc on est là dans une accélération du déséquilibre du partage des richesses. Je peux donner une réponse neutre. Enfin, oui, c'est vrai, mais disons que si on est un peu plus neutre. En fait, ce qui se passe, c'est que je n'en ai pas parlé au milieu des années 90. L'autre grand changement, le bouleversement, c'est un changement dans la manière dont les entreprises fonctionnent et sont gérées. Vous prenez une entreprise aujourd'hui, une entreprise de taille moyenne. Son financement, il vient de trois sources. Ce que tu dis est vrai. Il y a l'autofinancement, les amis, je ne sais pas qui, bon voilà. Il y a la dette et il y a le capital social qui est apporté par les actionnaires. C'est vrai. Donc ça fait, pour les entreprises, c'est coûteux, hein, ça fait partie du coût du capital. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de faire de l'argent avec de l'argent, hein, l'hypertrophie financière. C'est que le capitaliste qui met de l'argent chez vous, lui, ce qu'il vous demande, c'est un retour sur investissement. Il s'en fiche complètement de si votre entreprise a marché ou pas. D'ailleurs, votre activité ne l'intéresse même pas tellement. Bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez une norme, on vote au conseil d'administration en disant ben, à la fin de l'année, c'est 8%. De deux choses l'une, ou vous me donnez, ou vous me donnez 8% de la mise, c'est ma rémunération, où je pars.
Alors, comment peuvent faire les entreprises? Donc, c'est pour rebondir sur ta question. Ben, une entreprise, c'est un coût, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'elle va prendre sur les bénéfices qu'elle a faits. Okay? Soit son activité était moyenne, relativement morose, etc. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a deux façons de faire. Soit elle comprime du personnel, par exemple, soit ceux qui sont là travaillent un petit peu plus, augmentent leur productivité. Voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Ça veut dire qu'on a un système de l'actionnariat qui fait que, comme les actionnaires exigent un certain niveau de rendement minimum, eh bien, les entreprises sont obligées Ce qui nous a sauvés les 10 dernières années, là, je ne sais pas si ça va durer, c'est que, assez bizarrement, la rémunération demandée par les actionnaires n'a pas augmenté. Mais ils se sont énormément enrichis. Pourquoi? Parce qu'un actionnaire qui vient mettre de l'argent chez vous, voilà son calcul. Il vient mettre 1 million chez vous, je dis n'importe quoi, ou 100 000 euros chez vous. Ces 100 000 euros, il ne les a pas. Il va les emprunter. Et ensuite, il vient les mettre chez vous. Il les emprunte à un certain taux d'intérêt. Donc, les 10 dernières années, même les 15 dernières années, les taux d'intérêt sur les marchés ont été extrêmement bas. Donc, mettons qu'ils empruntent à 0,5%, ils viennent chez vous, ils peuvent vous demander du 6%, il n'y a aucun problème, parce que lui, en fait, sa marge est importante. D'accord? Voilà, donc, c'est pour répondre un peu, en fait, à ta question, c'est, voilà, tu augmentes la productivité, et puis... Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Je vois l'importance des think tanks dans l'idéologie qu'on doit avoir pour essayer d'améliorer les choses. Pour l'instant, on vit sous l'idéologie complètement capitaliste. Alors, le gros problème pour le changement, pour moi, à mon avis, c'est que les finances contrôlent les médias, les gouvernements, et je ne vois pas comment on peut en sortir facilement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Anna Gretz, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Là, vous savez, cette activiste, je ne sais plus de quel pays elle est, danoise, la jeune femme qui fait le tour du monde. Oui, Greta, bon. Suédoise, c'est ça? Voilà. En fait, ce qui change dans les démocraties, c'est ça, et c'est pour ça que ça bouleverse les équilibres. Un peu, les gouvernements sont un peu étonnés. C'est que de plus en plus, les opinions. Les gens expriment leur opinion via la toile, via etc. Et les gouvernements sont sensibles à ça. Croyez-moi, les gouvernements sont. Enfin, croyez-moi, ne me croyez pas nécessairement. Je veux dire par là que les gouvernements sont de plus en plus sensibles à ça. Pourquoi? Parce que faut bien comprendre quelque chose, c'est que ceux qui nous regardent, ce sont les générations futures. Les hommes politiques actuels sont très, 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 très sensibles. Regardez leurs cibles. Les jeunes font partie de leurs cibles. Enfin, sont très sensibles à ce que pensent les jeunes. Ce qu'on fait aujourd'hui aura de l'implication. On ne verra pas les résultats. On ne verra pas les résultats. Par contre, les jeunes qui sont là, eux, verront les résultats. Et donc, c'est à eux que nous donnerons des comptes. Donc, ce que vous dites est tout à fait justifié, mais ce n'est pas tenable, on va dire, sur la durée. Vous pouvez tromper les gens au début, mais vous les trompez. C'est vrai, c'est tout à fait juste, mais ce n'est pas tenable sur la durée. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Bon, c'est une société un peu particulière. Regardez aussi ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en Espagne. Alors moi, je ne suis pas activiste, mais vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à aller. Vous connaissez tous ces problèmes des méga-bassines. Hein? Les gens sont prêts, tant pis, à se faire bastonner ou des choses comme ça. Parce qu'ils disent que c'est la survie, c'est les nappes phréatiques. Ils n'ont pas envie que. Et donc, ils sont prêts à se faire bastonner, à être hors la loi, etc. Puis, je pourrais donner des milliers d'autres exemples qui montrent que ce que vous dites est parfaitement juste, mais ça peut tenir un moment. Et on voit que bon, au début, on bastonne, et puis après, les gouvernements, bon, ils essaient de temporiser, etc. quoi. Voilà, je pense que le problème du capital qui dirige le monde et qui est très difficile à juguler, je pense à mon avis qu'il provient d'une chose, c'est que les sociétés de production sont uniquement aux mains du capital et ceux qui produisent n'ont aucun pouvoir dans les entreprises. Et alors, c'est mon dada depuis longtemps,
depuis l'autogestion de 1968. Et je pense que là, il y a une voie pour permettre de trouver une solution pour approcher un petit peu le contrôle du monde par les citoyens, qui seront des citoyens travailleurs et pas seulement des machines qu'on vend. D'accord à 1000%, hein, c'est bien entendu. Mais ça se fait, ça commence à se faire en Allemagne et en France très timidement, parce que notamment il y a un certain nombre de lois qui réglementent un petit peu plus la composition des conseils d'administration, avec un nombre minimum de représentation des salariés qui doivent donner leur sentiment sur. Mais c'est vrai que c'est pas le système. Le plus courant. Quoi. Il y a 15 jours, j'assistais au 10e anniversaire de Scopti. Donc Scopti, c'est la société coopérative qui a racheté, non pas Fralib, mais l'usine qui fabriquait les thés et les fonds à Marseille. Et Unilever voulait délocaliser cette entreprise en Pologne. Donc les salariés se sont mobilisés pendant 3 ans, 1336 jours. Ils sont aujourd'hui à un rythme de croissance qui est tout à fait satisfaisant. Mais avec un mode de fonctionnement coopératif où toutes les décisions sont prises en assemblée générale par l'ensemble des coopérateurs. Et ce que me disent depuis longtemps donc les coopérateurs qui ont participé à la reprise de cette entreprise, que la plus grande des difficultés qu'ils ont eues, c'était pas tant de se mobiliser pour faire la grève, c'était de transformer leur état d'esprit pour passer de l'état d'esprit du salarié, donc je reçois des ordres, j'exécute, à l'état d'esprit du coopérateur. Lorsque j'ai terminé mon travail, si un de mes camarades n'a pas terminé le sien, je vais l'aider spontanément, sans que personne ne me le demande ou sans que personne ne me le dise. Et ce qui permet d'être multicompétent, multitâche, et donc de pouvoir être capable de travailler sur n'importe quel poste, ou presque. Voilà. Donc il y a quelques exemples comme ça, mais tu as raison, ils sont vraiment pas assez nombreux. Qui d'autre ? Bon, vous êtes fatigué, assommé. Tu en as une là-bas de question. Oui, pardon. Je te réponds. Mais... Question, réflexion. Concernant la première utopie, donc la décroissance, vous avez cité Pierre Rabhi. Quels sont les pays, alors bon, français, Pierre Rabhi, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres penseurs à l'étranger qui ont étudié aussi la décroissance et, dans quel pays ça commence à être appliqué? Alors, je veux dire partout, en fait. Hein. Partout, parce que, pour différentes raisons, mais parce que ce n'est pas simplement des penseurs, mais c'est aussi... Alors, je l'utilise dans un sens neutre des activistes, c'est-à-dire, vous avez l'équivalent de José Bové, ou Serge Latouche, etc., dans les pays étrangers, c'est-à-dire des personnes qui défendent, en fait, la décroissance parce que, d'après elles, elles ont vu les effets négatifs de ce que peut produire une agriculture, par exemple, très intensive, etc. Donc, une pensée que l'on trouve qui est répandue dans tous les pays, vraiment, je ne dis même pas que européens, dans tous les pays du monde. Voilà. Mais ils ont face à eux la grande difficulté, à mon sens, hein, qui fait que c'est vraiment considéré comme une utopie, mais au sens difficile à appliquer, c'est que... on ne présente pas les coûts, on présente les bénéfices de la décroissance, mais en mettant en silence les coûts. Et ça, c'est un des reproches qu'il aurait fait. C'est-à-dire que, oui, d'accord, donc c'est bien, on réduit, etc., mais qu'est-ce que ça coûte? Voilà. Et donc, ceux qui sont contre la décroissance mettent, eux, appui sur les coûts, en disant, si vous faites ça, alors là, c'est fini. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve répandu dans plein de pays. Vraiment. Est-ce que c'est lié ? Attends. Il y a d'abord une prise de parole et après, je te porte le micro. Bonsoir. Vous avez dit que c'était Pierre Rabhi qui avait été le premier décroissant. Non, c'est pas lui le premier. Non. Parce qu'avant lui, il y a André Gorz.
Oui, ils sont. C'est pas le premier, mais oui. Qui est un philosophe, un économiste, qui a fait beaucoup d'articles dans la Nouvelle Europe sous le nom de Bosquet. Mais Gorz, je trouve que ça remet beaucoup. C'est un philosophe aussi. C'est ça, C'est une manière, oui. c'est un mode de vie, c'est une manière de Tout à vivre, fait, tout à fait. s'émanciper Tout à fait. et s'autogérer. Pas tellement au niveau des sociétés, comme Marie l'a dit. C'est important de tout gestion dans les entreprises, mais surtout gérer soi-même. Tout à fait. Non, tout à fait. Décider de la manière dont on a On bien. peut vivre. Moi, je viens de définir l'éloge du suffisant, et c'est vraiment extraordinaire. Parce que parler que d'économie, quand on parle de décroissance, je trouve que c'est un peu réducteur. Absolument, je suis Il faut d'accord. aussi parler de philosophie, Bien sûr, bien sûr. et pas de Kant et de tous les anciens, hein, parce qu'il faut prendre les nouveaux philosophes. Oui, je Un suis aussi nouveau d'accord. philosophe en dehors des fadas. Hein. Bon, vous avez un pierre comme un livre, comment il s'appelle? Ralentir ou périr. Oui, ralentir ou périr, Ralentir oui. ou périr, qui est Comme vraiment aussi. Et donc, moi, je Jean de pense Paris. que ça, on devrait l'apprendre dans les écoles. Enfin, c'est mon point de vue. Non, mais c'est étudié dans les écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en école d'ingénieurs. S'il y a un mouvement, alors là, c'est très intéressant. Dans la quasi-totalité des écoles d'ingénieurs en France et en Europe, vous avez, alors là, semble-t-il, une grande conscience des étudiants sur les questions dont vous parlez, hein. C'est très, très étonnant. Ah, et beaucoup au Canada, mais en France aussi, moi, je suis étonné dans les grandes écoles d'ingénieurs et que ce soit, de plus en plus de personnes qui essaient, c'est ça, et qui se disent, bon, ben, c'est bon, moi, ce que je souhaite, c'est mettre la technique au service Et donc, Tim Parikh, par exemple, Ralentir ou périr, il a beaucoup de succès dans les écoles d'ingénieurs. Beaucoup, beaucoup de succès. Et est-ce que tout ça se passe pas dans les sociétés capitalistes? Et est-ce que le point de rupture, il peut pas se mener plutôt dans une révolution anticapitaliste, dans une révolution, je sais pas, comme c'était l'utopie encore 80 ans, ou voilà, dans des sociétés où c'est pas le capital qui compte, qui mène l'affaire, mais c'est les humains qui décident plutôt ça que ça, voilà, enfin, bon, une autre organisation. Alors, la réponse qu'on pourrait faire est la suivante, c'est de dire est-ce qu'on a un contrefactuel? Ça veut dire est-ce qu'on peut donner des exemples de pays qui se sont engagés ou qui ont essayé de s'engager dans cette voie et où ça a marché? Et malheureusement pour nous, j'allais dire, c'est que tous les exemples qu'on a sont négatifs. Il faut penser à la Russie, il faut penser à la Chine, il faut penser à des tas de pays d'Amérique latine. C'est ça un peu la difficulté, c'est que c'est une idée qui est très. D'ailleurs, c'est ce qu'opposent ceux qui sont opposés à ça. C'est de dire, bah, écoutez, oui, voilà un exemple d'utopie qui, ça partait d'idées a priori louables, etc., mais qui, confrontées aux faits, malheureusement, n'ont pas produit, et puis je pourrais prendre des tas d'autres exemples, les kibboutz dans un certain nombre de pays, etc., bon, n'ont pas forcément conduit aux résultats qu'on pouvait espérer, quoi. Donc ça, c'est le contre-argument que les gens vont systématiquement opposer en disant, bah, écoutez, on n'a pas de contrefactuel parce que on n'a pas d'exemple où c'est marché, quoi. Il faudrait. Ça ne veut pas dire que c'est faux, pas du tout. Sauf la Yougoslavie de Tito, peut-être. Bon. Bon, vous savez comment il faut faire si vous voulez que Gilles revienne l'an prochain? Grand merci, Gilles. C'était vraiment passionnant. La semaine prochaine, nous parlerons de langage dystopie ou utopie, et ce sera 130 Avenue du Prado avec Anne Coady. Belle soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.
I'm going to go to the next one.